Parler des voitures qui font rêver à Genève, c'est facile, il y a toujours des supercars, des limousines. Mais nous, on a décidé de vous faire un rêve différent, un rêve accessible. Voici notre sélection. Impossible de ne pas commencer ce reportage sur le rêve par un rêve bleu. Bleu comme le bleu d'Alpine qui fait son grand retour à l'occasion de ce salon de Genève avec la 110. On retrouve les formes de la première génération, le nom de la première génération, la couleur de la première génération, mais également la légèreté avec 1080 kg, 252 chevaux. Alors oui, 58 000 euros, c'est pas forcément accessible pour tout le monde, mais il n'y a pas à dire, cette Alpine, elle fait rêver. On continue le rêve chez Dacia. Alors je sais effectivement que Dacia et rêve, ça peut faire rire certains. Pourtant, il ne faut pas oublier que le véhicule le plus vendu aux particuliers est la Sandero, et notamment la Sandero Stepway. Dacia l'a bien compris, il nous propose aujourd'hui une version Stepway de la Logan MCV, comprenez par là le Logan Break. Vous pouvez le voir, des nouveaux attributs au niveau esthétique, par exemple sur les bas de caisse, sur l'avant, mais également sur l'arrière. Les prix 13 600 euros, c'est à peu près 400 euros de plus qu'un MCV classique. Vous êtes un amoureux d'Alfa Romeo, alors forcément, la dernière création italienne de Stelvio vous fait rêver. Le premier SUV de la marque italienne, un véhicule au vrai look italien, un design réussi, des vraies qualités routières comme vous avez pu le voir sur notre essai, des moteurs qui commencent à 210 chevaux et des prix de 49 000 euros. Pas de doute, celui-là, il va en faire craquer. Le rêve, c'est également le rêve français. Le retour de DS au premier plan avec le DS7 Crossback, un SUV censé concurrencer Mercedes, BMW, Audi, avec des formes plutôt réussies, un intérieur très soigné et beaucoup de technologie. Les prix à partir de 53 000 euros, peut-être pour vous. Le rêve, c'est également acquérir le véhicule élu voiture de l'année 2017, à savoir le Peugeot 3008. Le dernier SUV du constructeur Lyon est une vraie réussite, que ce soit sur la route, esthétique, et les résultats commerciaux sont à la hauteur. Plus de 10 000 ventes en l'espace de 2 mois rien qu'en France. Peut-être que vous allez aussi craquer. Et enfin, le rêve, c'est demain, avec peut-être dans quelques années une voiture électrique sportive agréable à rouler, mais également facile à vivre au quotidien. C'est peut-être cette Renault Zoé e-Sport Concept qui est capable d'avoir 460 chevaux dans le gabarit d'une citadine. Assez tentant.